Bonjour les amis, bienvenue sur Burlesque Cuisine. J'espère que vous allez bien. Là, je suis à Royal Chine. Donc, c'est un restaurant à volonté asiatique qui se trouve dans le 77 à Clay Sully. Donc, c'est un restaurant qui fait buffet, buffet à volonté, bien sûr. Donc, il y a le wok, grillade, tout ce qui va avec. Donc, on va faire le tour et puis au fur et à mesure, je vous montre un peu et on va essayer de manger le maximum. Allez! Allez, c'est parti les amis, donc on va regarder un peu les entrées. Donc Nemo poulet, Nemo porc, beignets de fromage, des crevettes frites, des beignets de calamar, des samoussas, il y a même des frites, des surimi, des nuggets. Hop, c'est parti, là c'est le coin japonais, vous voyez, tout ce qui est sushi, maki, tout ce qui va avec, vous voyez, on va faire un petit grand tour. Là, c'est tout ce qui est salade et tout, à la limite, ça on s'en fout. Vous voyez, voilà. Allez, c'est parti, concernant les plats, donc un espèce de riz cantonné, des nouilles, riz au curry, bœuf aux oignons, des pommes de terre sautées, des boulettes, ça c'est, je pense que c'est du canard. Là, c'est des brochettes de poulet, ça c'est du poulet aussi. Là, on a des crevettes, des cuisses de grenouille. Calamar, c'est les poivres, les champignons, ça c'est du poisson, c'est du panga grillé, des ailes de poulet, ça c'est des choses à la vapeur, vous voyez, voilà les raviolis, les bouchées, tout ce qui va avec. Là il y a du porc, travers de porc aussi, un peu de légumes. Là c'est du poulet, il y a aussi du poisson, donc là il y a aussi du saumon. Là, si on regarde bien, c'est le coin wok. Donc voilà, là, il y a les légumes, tout ce qui va avec. On va faire le tour rapidement. Donc là, il y a des moules, il y a du poisson, des crevettes, des brochettes de crevettes. Là, il y a de la viande, hein, viande crue, côte d'agneau, faux filet entrecôte. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Allez, on va encore tourner un petit peu. Là, c'est tout ce qui est légumes, tout ça. Là, c'est le coin fruits de mer, hein, voilà, il y a des escargots, des crevettes, il y a un peu de crabe, des crevettes roses. On enchaîne avec le coin dessert, donc voilà, il y a pas mal de choix concernant les desserts. Voilà. Franchement, là, c'est un coin fruits, dessert fruits. Franchement, il y a pas mal de variétés, voilà. Il y a un peu de fromage aussi. Voilà, il y a encore un peu de dessert. Franchement, concernant le dessert, il y a du choix quand même. Hein. Voilà. Les amis, pour commencer, j'ai pris deux petites assiettes. Des nems, un peu de japonais, un peu de crevettes frites. Hein. Un peu de crevettes, friture de crevettes avec la peau, un peu de vapeur, tout ça. Franchement, je vais commencer par goûter le tout et après à la fin on va faire le point. Franchement déjà, c'est un très bon début. Rien que le même, bien garni et tout, regardez. Bien garni et en plus c'est très bon. Le beignet de calamar avec un peu de sauce. Hop. Et croustille. Franchement, il y a le côté croustillant. Allez, une petite crevette pour la route. Après, je vais essayer de finir l'ensemble. Et après, on fera le point concernant le premier tour. Mes amis, le premier tour terminé, franchement, dans l'ensemble, c'était très bon. Dans l'ensemble, j'ai dit bien dans l'ensemble. À part les crevettes, j'ai pas trop aimé les crevettes avec la peau. Sans la peau, c'était magnifique. Avec la peau, pas trop. Mais à part ça, franchement, magnifique. Donc allez, un deuxième tour. Mes amis, là, tu veux nous donner quelques grillades. Donc il y a de l'agneau, crevettes et aussi, je crois qu'il y a encore de l'agneau. Après, dans les couvertes, il y a un peu de bœuf au fromage. Là, j'en profite aussi pour faire un petit wok de calamar, vous voyez. Voilà, comme
un petit wok de calamar, les amis, pour le deuxième tour. Donc c'est, comment dire ça, c'est la famille incornée, pulpe, enfin voilà. Avec une sauce bien piquante, un peu d'oignon, un peu de champignons. Me concernant, c'est pas trop épicé parce que je mange déjà du piment. Sinon, c'est bon. Je vais pas te dire c'est très bon, mais c'est bon. Alors, là, j'ai pris une petite brochette de crevettes. Vous voyez, crevettes marinées, bien sûr. Petit samoussa. Là, j'ai repris quelques beignets de calamar. Franchement, c'est très bon. Et un peu de vapeur. Et quelques tranches d'agneau. Allez, c'est parti. Concernant la grillade, quelques tranches de saumon, quelques morceaux de saumon et quelques morceaux de bœuf au fromage. Bon, ça c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est des tranches de bœuf, les amis. Les amis, ça y est. Les saumons bien grillés et bœuf au fromage. On va attaquer avec le bœuf. Franchement, c'est bon et c'est tout chaud. Le saumon. Avec un peu de sel, un peu de poivre. Franchement, les amis, c'est chaud, mais c'est un bon plan. Franchement, un bon plan à tester, à essayer, ce que vous voulez. Franchement, pour le prix et tout, franchement, c'est un bon plan. Les amis, me concernant, ça va être mon dernier tour avant le dessert. Donc là, j'ai pris un peu de nouilles, un peu de riz cantonné, un peu de riz au curry, un petit bout de saumon. Et là, histoire de dire qu'on a pris des légumes, j'ai pris un peu de légumes vite fait, du bœuf aux oignons et un peu de pommes de terre sautées. Franchement, les haricots, c'est pas mal. Hein. Moi qui n'ai pas trop de légumes, franchement, les haricots, c'est pas mal. Bœuf aux oignons. Ça c'est un peu refroidi, mais c'est très bon aussi. Le riz contenait franchement correct. Après, c'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Riz au curry normal. Franchement, les nouilles bien parfumées, franchement. Légèrement un peu trop salé. Mais franchement, c'est bien parfumé. C'est très bon. Il suffit juste de diminuer un peu le sel et c'est le top. Allez, le saumon. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Sur le saumon, par contre, il faudra peut-être rajouter un peu de sel. Sinon, franchement, c'est un bon plan. Ça y est, la dernière ligne droite, la dernière étape. Une petite assiette de fruits, enfin à part ça. Voilà, ça on connaît. Quelques litchis vite fait, un petit bout de melon, ananas, perle au coco, un petit melon vert, une petite crème brûlée. Là, un petit bout de tiramisu, millefeuille et quelques boules de glace, les amis. Je vais finir tout ça tranquillement et on se retrouve dans pas longtemps.
Voilà les amis, vous avez l'adresse, le numéro de téléphone, les prix, tout ce qui va avec. Le nom, tout. Mes amis, ça y est, j'ai terminé, je suis blindé. Donc en conclusion, entrée plat, le dessert on s'en fout un peu, c'est pas du chinois. Donc l'entrée, franchement, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Concernant les plats, il y avait beaucoup de choix, pas mal de choix. Franchement, dans l'ensemble, c'était très bien. C'est plus que correct, mais largement au-dessus. Donc j'ai bien aimé. Tout ce qui est entrée, c'est pareil. Il y avait plusieurs choix, plusieurs. Voilà. Tout ce qui est fruits de mer, tout ce qui est friture, tout ce qui est vapeur, tout ça. Franchement, il y avait pas mal de choix. Concernant le prix, midi 12,50€ le midi et 17,50€ le soir. Et le week-end, bien sûr, et les jours fériés. Donc voilà les amis. De toute façon, avant ou après la vidéo, donc je vous laisserai l'adresse, le numéro de téléphone, tout ce qui va avec les prix, tout ça. Donc c'est à vous de jouer les amis, franchement c'est un bon plan. Donc si vous avez kiffé la vidéo, un petit pouce bleu vers le haut, partagez, surtout abonnez-vous à ma chaîne. Merci, à bientôt, ciao.